Et salut à tous et bienvenue dans le cinquième Let's Play sur Secret of Evermore. Donc aujourd'hui nous allons essayer de finir le jeu. Alors rapport au dernier Let's Play, donc la partie 4. Ça y est, j'ai foutu toutes mes armes niveau 3, normalement tout va bien, vous voyez. Ce qui m'a donné l'occasion de faire pas mal de thunes, donc ça c'est pas plus mal. J'ai essayé de pex un petit peu, mais pour le moment c'est pas encore rentable. Parce que je peux pas encore faire le glitch là des balles de bazooka infinies. Donc bon, de toute façon après tout ça ce sera fait hors let's play. Donc là voilà, on va reparler à Regard de Brest pour lui faire un petit rapport de la situation. On lui compte toutes nos aventures. Bon, on n'est pas obligé d'aller lui parler hein, mais on va le faire quand même. J'accélère parce que et là de tout ce qu'on a appris, donc voilà. Non, ça j'ai pas besoin. Alors ok. Là, on va aller chercher une petite magie supplémentaire. On n'est plus à une près. De toute façon, il m'en reste, je crois, 6-7 encore à récupérer et on est bon. Il y a beaucoup de magie dans ce jeu. Ça, c'est un des principes que j'aime beaucoup dans Secret of Evermore. C'est que les magies sont très variées. Que ce soit les magies défensives, offensives, de soins, de buffs. Il y a vraiment de tout. Sachant qu'il y en a beaucoup qui sont mal exploitées techniquement. Il y en a qui sont très intéressantes, le souci c'est qu'on ne les utilise pas forcément. Par exemple la défense, la vitesse, je suis sûr qu'une fois à fond, si on les met, on les utilise bien, elles sont très puissantes. Et hop là, du coup on va récupérer la version améliorée de la cure, qui en gros va me permettre de me soigner et de me healer un petit peu en même temps. Bon, il va de soi que j'en ai pas besoin, mais on sait jamais. Ah, du vinaigre. Faut que je fasse le plein de tous les ingrédients, parce qu'après je vais devoir up toutes les magies. Alors du coup, il y en a, je vais m'amuser pour les trouver. Il va falloir que je fasse tout le tour des PNJ pour savoir qui vend quoi. Ça va être un beau bordel. Et donc là, il nous manque plus qu'un seul item à récupérer pour aller dans l'espace. Donc bon, bah pour ceux qui savent, qui ont déjà fait le jeu, vous savez ce qu'il faut, où est-ce qu'on les récupère. Hein. J'ai déjà récupéré la jauge, j'ai récupéré les œufs de diamant. Donc il me manque plus que la roue. Et elle est également dans ce monde, donc on va aller la chercher tout de suite. Et ensuite, on va pouvoir attaquer la partie spatiale. Sachant que dans la partie spatiale, curieusement, c'est un des endroits que j'ai le moins aimé. Pourtant, j'aime beaucoup tout ce qu'on peut acquérir là-bas, mais je sais pas, en fait, cette partie, elle me botte pas des masses, en fait. Il y a un petit truc qui me gêne. C'est que c'est peut-être un petit peu trop linéaire, en fait, je pense. On n'a pas vraiment de sensation de liberté dans la dernière partie, en fait, c'est surtout ça. Je pense que ça doit jouer, mais bon. Ah. Tiens, c'est curieux, là je viens seulement de libérer le succès pour avoir tué le dragon en haut de la tour. Alors là, j'aimerais savoir pourquoi ça se fait que je l'ai que maintenant, mais bon. Écoute, on va pas chercher à comprendre, je l'ai, c'est l'essentiel. Donc là, pareil, on va refaire le plein d'ingrédients. Ça j'ai. Et j'ai, parfait. Le plus dur maintenant à trouver, ça va être le soufre et les glands, en fait. Le reste, je vois un peu où on peut le trouver, mais je sais pas, faut que je vois où est-ce que je peux en trouver. Parce que le souci, c'est qu'il y a des ingrédients que je peux trouver sans trop de problèmes, hein. Ça c'est bon. Mais soit les PNJ, je n'y ai plus accès. Soit encore ou encore plus chiant. Ils ont tout simplement disparu. On prend par exemple Merlin, le collaborateur de Alec. Ben, après, peut-être qu'on peut le retrouver quelque part. Hein. Je sais pas, c'est pas impossible. Mais honnêtement, je vois pas où. Merde, je me suis gouré de chemin encore une fois. Oui, il faut revenir ici, c'est normal. On va avoir une petite aversion à milieu du premier boss, mais en plus puissant, si je puis dire. Donc voilà, il y a des ingrédients, il va falloir que je me démène pour les trouver. D'autant plus que je crois qu'il y en a, j'en ai pas beaucoup.
souffre, ouais, j'ai pas grand chose en fait, hein. La plupart, il n'y a pas de souci. Le vinaigre, c'est bon, tout est à fond. La poudre, je peux la récupérer dans la dernière partie, les plumes aussi. Bon, là, ici, les météorites, ce sont des ingrédients totalement à part, hein, ça compte pas. Les médaillons Atlas, je sais qu'on peut les récupérer à l'infini. D'ailleurs, elle va être un peu chiante à monter, cette magie. Les glands, je crois savoir en trouver. La graisse et le fer, dernière partie, c'est pareil. Les météorites, c'est comme la glace, en fait, voilà, il y a juste le soufre et les glands qui peuvent me faire un petit peu chier pour en trouver. On verra bien. Faudra que je réfléchisse. Oh, Marc, il y a bien le site spécial Secret of Evermore, peut-être qu'ils vont me dire où je peux en acheter. Au pire, j'irai voir, hein, c'est pas... Voilà, donc là, c'est exactement le même boss avec un peu plus de HP. Un peu. Ouais, le cœur, il va prendre très cher. Ouais, je vous rappelle que le premier avait 600 HP. Hein. Bon, on n'avait pas autant de puissance de feu aussi. Là, ça devrait suffire. Nickel. Et 4000 serres. C'est pas mal, hein. Je vais pas cracher sur le pognon. Et hop là, on a gagné, on est très fort, merci. Succès pour avoir tué ce boss. Et je crois que je vais en avoir un autre pour avoir tous les ingrédients. Non, pas encore. D'ailleurs, attends, ça me fait penser là. Ah non, il m'a manqué un item. Il y a un truc d'ailleurs qui me fait douter là. Alors on est d'accord, il me manque les charmes, je crois que j'ai tout, ça c'est bon. Clé, sachant qu'il me manque le fourreau, mais ça c'est normal, je l'ai perdu, l'œuf de chocobo aussi. Ah, je crois qu'il me manque juste la source d'énergie pour valider ce succès. En gros, il faut remplir intégralement cette page. Si je dis pas de conneries, c'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. On va réessayer quand même au cas où, hein, même si j'ai de gros doutes là-dessus, d'aller retrouver l'œuf chocobo. Bon, enfin, ça n'a pas marché hier, je vois pas pourquoi ça marcherait pas aujourd'hui. Ça marcherait aujourd'hui. On sait jamais, hein. Donc, faut que je retourne sur la berge. C'est pas là. Je sais pas comment le faire pop ce putain de mob en fait. Peut-être qu'on peut que maintenant ou alors faut avoir la dernière navette, je sais pas. Parce que là il est censé quelqu'un qui apparaît de derrière les caisses. Bon bah écoutez, peut-être que c'est quand on a juste la toute dernière navette. On verra bien, on réessayera à ce moment-là, mais. Pour le moment, je suis coincé. Donc là, il nous a fait une petite fusée qui fait à peine la taille de notre perso, c'est normal. Hein. Bon, j'accélère parce que là. Voilà, pareil, donc là, succès pour avoir la fusée. Et là, on a atterri dans le dernier monde. Et là, on a eu toutes les transformations du chien, donc on est parfait. Voilà, quand je vous avais dit la dernière transformation du chien, elle est juste énorme. Mais c'est pas tant. Non seulement elle est très puissante en matière de puissance, mais surtout, regardez, c'est sa vitesse de course qui est super intéressante.
Vous comprenez hier quand je vous disais qu'avec grâce à un code Action Replay, on peut avoir cette transformation-là partout. Vous traversez le désert comme ça, vous rigolez bien. Ou autre, même, vous affrontez les boss parce que, au-delà du fait qu'il fait très mal. Attends, je vais essayer de vous montrer. Vous avez vu, hein, il cogne, hein, on est d'accord. Ben, vous affrontez les boss avec ça, vous rigolez bien. Normal, hein. Faut que je fasse gaffe parce qu'ici je peux prendre très cher. Il va de soi que les mobs peuvent m'exploser la gueule. Donc attention. Sachant que les magies maintenant ne marchent plus des masses. Hein. Ça va être un autre problème d'ailleurs. Ouais, il m'a foutu KO. Bon, tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour un truc. Putain, ils font mal, les enfoirés. Hein. Ah tiens, c'est pas con pour monter la magie d'être un peu ici. Ouais, je vais en profiter pour monter un peu la magie renaissance qui est chiante. Sachant que c'est le seul moment où le chien, s'il est mort, je peux le contrôler. Parce qu'on est obligé en fait, on va avoir vraiment besoin de la transformation du chien en toaster pour continuer l'aventure. Donc voilà, désolé, j'en profite vraiment pour up un petit peu la magie parce qu'il faut que je la foute aussi level 3 celle-là. Je vais pas la foutre level 3, je vais juste voir un truc. Enfin, je la foutrai level 3. Oh putain! Oh con! Ah, je me suis fait violenter là. Mais elle veut pas up cette putain de magie, elle m'empêche. Ah, quand même. Vous inquiétez pas, ma puissance va être bien améliorée par la suite. Hein. C'est juste que là j'ai plus mes armures à jour et tout, donc forcément. C'était pas prévu que je meure, mais bon. Par contre, les gros mobs comme ça, ils ont un avantage, c'est que je peux grimper la magie dessus, mais de manière très très rapide. Parce que vous l'aurez compris, hein, ils sont solides, donc... Bon, ouais, en vérité, tu fais deux attaques chargées avec le chien et ça marche aussi. C'est juste que là, je voulais profiter pour monter un peu ma magie, mais du coup, ça m'a donné une idée, ça. Par la suite. Hop, le chien, on va le guérir un petit peu aussi. Voilà, en fait, ici, il y a une petite particularité. Vous voyez, là, il y a des boules qui me tirent dessus. Là, jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que je suis obligé de les détruire parce qu'en fait, elles ouvrent des portes. En dessous des... Merde. En dessous des boules, il y a une porte. Et si je ne détruis pas la boule... Sachant que ces mobs sont intéressants à tuer aussi parce qu'ils rapportent pas mal d'XP. Non mais, barre-toi, tu vas te faire tuer toi.
Et là, on a pas mal du coup de coins à visiter. J'aime autant vous dire qu'on va pas s'ennuyer. Bon, la première chose, on va acheter de nouvelles armures. Ah, mais attends, j'ai pas de thunes. Là, on va tout échanger. Parfait. Ça, j'ai pas besoin. Il me semble qu'il me reste encore des golds. Ah non, j'ai déjà tout donné. Bon, ah, j'ai pas grand chose en dessus là. Là, c'est emmerdant. Alors, vous vous rappelez que ça coûtait 1000 golds dans le troisième monde, hein, les plumes. Ici, ça coûte 2000, mais il faut savoir que 1 gold égale 8 crédits ici, donc la monnaie. Donc en gros, ça fait un peu comme si les plumes me coûtaient 200 gold dans le monde normal. Donc bon, on va en prendre parce que de toute façon, il m'en faut. C'est pour ça qu'il fallait attendre et être patient. L'éthanol, pas de problème. L'huile, ok. De la poudre, ça, je me... putain, elle est chère, saloperie. Putain, je vais devoir farmer de la thune. C'est pas grave, on fera le succès des levels en même temps. Donc. Ah, alors là, ce qui nous intéresse, bien sûr, les armures. Et surtout... Mais... Ah, chiotte. Les munitions bazooka. Et là, si je me démerde bien, après je pourrais faire le glitch des cartouches infinies. Parce qu'en gros, le truc est très simple. On a trois types de cartouches. Hein, donc ça, je vous le donne, mais ça marche que dans la version US. Mais vous pourrez vous en servir. Il sera bien utile si vous voulez master le jeu pour les level max. En gros, vous mettez les Thunderbolts, niveau 10. Ok. Et en fait, quand vous en aurez plus, le jeu va vouloir switcher sur une des deux munitions. Ce qu'il devrait faire automatiquement. Mais en fait, il ne le fera pas. Et du coup, le jeu considérera qu'on a toujours des cartouches... rouge équipé. Bon, en gros, je simplifie, hein, mais vert, rouge, vert, ok. On va se régénérer. Donc, on va vérifier que j'ai bien fait le truc, mais normalement, ça marche comme ça. Si j'ai bien fait le truc, normalement, j'ai des cartouches de bazooka infinies maintenant. On va essayer. Non, j'ai... Ah, je sais plus. Il y a un truc à faire, mais il faut que je regarde. Ou alors c'est pas que ces munitions-là. Je sais plus. Faut que je regarde. Il me semblait que c'était ça, mais... Ouais, ils sont pas méchants ceux-là, mais ils sont chiants parce qu'ils te repoussent à chaque fois et ils te font perdre du temps. Du coup, non, bah, c'était pas la bonne sortie. Bon, bah, pour le coup, on va équiper celle-ci. 800 de dégâts de base. Hein. Ces cartouches, c'est pas compliqué. Je crois qu'elles me permettent de taper jusqu'à 700, entre 700 et 1000 de dégâts quand on a le bon équipement. D'ailleurs, en parlant d'équipement, voilà, je devrais en prendre un peu moins dans la gueule. Le chien, maintenant c'est bon, il risque plus grand chose. Mais chiasse là, oh! Ouais, vous inquiétez pas pour le mec, hein. Quand il est hors champ, il risque rien. Au contraire, ça lui permet de passer les mobs sans avoir à les tuer. Quoi, mais... il s'est pas tiré ou quoi, ce con? Franchement, j'aime pas cette zone, hein. Y a rien à faire. C'est la seule partie du jeu que... Bon, après, je dirais pas que je l'ai... Non, j'exagère, je dirais pas que je la déteste, mais... Mais putain, mais fous-moi la paix, saloperie de poule!
C'est surtout ça qui est lourd en fait, c'est ce passage avec les boules, quoi. Le reste, sinon, ça va. Non, là, je peux pas passer. Enfin, je pourrais, mais il faut pas que je passe maintenant. Parce que le problème, c'est que ces saloperies de boules, à chaque fois, je dois les retuer. C'est ça qui me gonfle en fait. Donc là, on va désactiver on va activer la ventilation, ce qui aura pour conséquence d'éteindre les radiateurs. Je sais que normalement, on peut passer quand ils sont allumés, mais je sais pas comment ils font. Donc, dans le doute, moi, je m'emmerde pas. Boss caché dans ce jeu, ça c'est pareil, je l'ai découvert avec un speedrun, mais est-ce que je peux le buter maintenant? C'est la question. Parce que j'ai peur d'être léger un peu au niveau de l'équipement. Bon écoutez, on va bien, on essaye et puis on verra bien. Au pire, je crois qu'on peut sortir si ça se passe pas bien. Ah, vous avez vu, il fait le taf maintenant l'autre avec son bazooka, hein. Non merde, je me suis bourré de... C'est pas grave. Et alors maintenant, attention. Alors là, par contre, je suis obligé d'allumer pour le moment. Hein. C'est normal. Par contre, là, maintenant, il va falloir que j'essaie toutes les combinaisons différentes possibles pour pouvoir ouvrir la trappe secrète. Donc, c'est pas ça. 1, 1, 2. C'est pas ça. Donc là, on va changer. 1, 3, 3. Parce qu'en fait, il y a deux combinaisons à rentrer. Il y en a une qui va me permettre de poursuivre mon aventure et une autre qui va me permettre... merde, j'en ai tout. Et une autre qui va me permettre d'ouvrir la... Putain, merde, mais... C'est pas ça non plus. C'est pas ça, ok. Donc là on va mettre 2. 1. 1. C'est pas ça. Et sachant que la combinaison pour le boss, je sais pas si elle est random ou si c'est toujours la même. Hein. Non, je me suis trompé. 1. 1. Mais... Oh putain, je vais y arriver. 2, 1, 1. On va tout recommencer. Enfin, pas tout depuis le début, mais là. 2, 1, 2. C'est pas ça. Donc là, 2, 2, 2. Ah, vous voyez? Donc là, bah, finalement, c'était 2-2-2. Et là, bah écoutez... Ah bah non, en fait, je suis con, moi. Je sais comment faire pour y arriver sans problème. Je vais vous montrer une petite astuce qui est intéressante. Là. Enfin, c'est pas vraiment une astuce, hein, c'est pas... En fait, avec ça, on peut être invincible.
Évidemment, bah, il va se faire que si je suis invincible, je risque rien. Sérieux déjà? Bah, chia, ça. Ah oui, il y en a un autre aussi. Donc ça, en fait, là ce que je vais vous dire, ce boss, avant, je vous promets qu'avant le speedrun, je ne savais pas qu'il existait en fait. Hein. Donc là, je viens de débloquer un succès. Évidemment. Et ça, on le fait notamment dans le speedrun 100%. Alors, il rapporte pas grand-chose, mais c'est comme dit, hein. Je suis sûr, dans quelques années, je vais encore découvrir des trucs sur ce jeu. C'est vous dire l'aboutissement qu'il y avait, hein. Pour l'époque, c'est énorme, hein. Voilà. Donc, si je dis pas de... c'est vert, rouge, vert. Ouais, c'est ça. Là, c'est pareil, je vais aller chercher quelques petits items. Merde. Et ensuite, il faut que je retourne dans l'autre salle, surtout pour éteindre les lumières. Parce que sinon, je vais me faire défoncer la gueule. Alors, pour ceux qui ont fait le jeu, vous avez très bien compris pourquoi il faut que j'éteigne les lumières. Pour les autres, je vais vous expliquer quand je serai sur place. Les aspirateurs, faut pas les tuer. Ah si, ceux-là on peut, c'est les autres qu'il faut pas tuer. Et là on a récupéré des armures améliorées. Enfin, un petit peu. Ah non, je croyais. Mais du coup, ça va peut-être pas le coup que je fasse chier acheter les autres. Bon, c'est pas grave. Sachant que quand je vais arriver dans la dernière zone, je vais encore devoir acheter de nouvelles armures les plus puissantes du jeu. On verra à ce moment-là. Allez, non mais le cumul de la charge du chien plus le cartouche de bazooka, ça fait un carton. Ça fait trop mal. Je prends encore du dégât, mais si j'avais pas eu mes armures là, j'aurais pu me faire tuer. Donc vous voyez, faut vraiment. Du coup, là j'ai dû allumer la verrière pour pouvoir aller ramasser les loots qu'il y a ici. Mais là surtout, il faut les éteindre parce que ces plantes, c'est des plantes carnivores. Et jusque-là, vous me direz, oh, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'elles réagissent à la lumière. Et que ces plantes carnivores, écoutez, c'est très simple. Vous vous faites bouffer, c'est le one shot. On ne peut rien faire, c'est vraiment le one shot. Ça a été prévu comme ça, et même avec la aura, hein, je meurs littéralement. Donc voilà, mon but c'est pas de crever là en l'occurrence, donc on va éviter. Ah ok, j'ai merde, j'aurais pas dû. Là j'étais en mode glitch munitions infinies en fait. Il n'y avait aucune cartouche de considérer comme étant équipée. J'ai compris en gros comment ça marchait. Enfin je crois. Si c'est pas ça, tant pis. On verra bien. Pourquoi tu bloques ici, toi? T'es un peu boulon. Hein. Hop. Donc là on avance gentiment. Il faut savoir que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai vraiment galéré ici. Parce qu'en fait j'avais pas compris que juste. Parce que le fascicule il était pas non plus dans la dernière zone, hein, faut pas rêver. J'avais pas compris en fait que dans cette zone il fallait absolument que les lumières soient éteintes pour que les plantes te fassent pas chier. Alors du coup il était impossible de passer en force. J'y suis arrivé une fois mais c'était grave au save state hein, quand je l'ai fait sur émulateur. Enfin, vous l'avez compris, c'est. Après, techniquement, d'après ce que j'ai compris, hein, je l'ai découvert en lisant dans le bouquin. Enfin, sur le net. Qu'il est possible de tuer ces plantes et qu'elles rapporteront énormément d'XP. Mais que c'est très très dur, voire très long. Donc, il faudra que j'essaye. On sait jamais si c'est vrai et que ça marche bien, bah. Ça peut être intéressant, ma foi.
Ça coûte rien d'essayer. On ira essayer. Voilà, donc je rappelle ici, indispensable que la lumière soit éteinte. Parce que du coup, elle roupille les fleurs. Sachant que... je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais si le héros meurt, c'est le game over. Le chien il meurt, c'est pas grave, mais si le héros meurt, même le chien vivant, c'est le game over. Donc on peut pas trop se permettre. Je profite parce que c'est pas tant pour la chune, c'est pour qu'il rapporte pas mal d'XP celui-là aussi. Alors bon, tant qu'à faire, hein. Et donc là, eh ben, on arrive sur le point de départ du jeu, là où on a commencé. Donc en français, le professeur Ouflaquette. Oui, ça par contre, c'est une traduction pourrie. Et maintenant, je vais pouvoir tout vous raconter, tout vous expliquer. En fait, le serviteur qui nous accueille, celui avec sa tête rouge quand on commence le jeu, eh bien, c'est un robot, et en fait, il s'est un peu révolté face à son créateur, donc le professeur Ouflaquette, qui est le créateur de l'expérience, et qui, bien sûr, en faisait partie. Et ben, grosso merdo, son serviteur s'est révolté, il en avait marre, et du coup, il a saboté l'expérience. C'est lui qui a saboté l'expérience, parce que le robot ne vient pas de ce monde, il existait avant Perpetua, mais il a saboté l'expérience de cette machine. Et du coup... ben, il a saboté la machine, mais ça fait 30 ans qu'il essaye de la réparer. Bon, il a trouvé un moyen, mais pour le moment, il ne peut rien faire parce que le James, hein, voilà, il s'appelle comme ça en VF, ben, il fout la merde et du coup, on peut pas non plus quitter ce monde en le laissant aux mains de James et ça fout le bordel. Et il va nous falloir en plus de l'énergie pour remettre en marche la machine. Et lui, il ne peut pas le faire. Donc, évidemment, ça va être à nous d'y aller. Hein, je vous le donne en mille. Et ça va être à nous de sauver le monde. Et pour ce faire, eh ben, il va falloir retourner plus bas pour récupérer ce qui nous manque. Donc là, je pense que vous avez compris. Hein, si vous avez vu la partie numéro 3 ou... Non, c'était la partie 4. Je sais plus. Désolé, j'ai un petit doute là. Non, je crois que c'était la partie 4. On va devoir aller chercher la source d'énergie de la statue du chien sous l'échiquier. Et du coup... Et là, on prend les dernières armures. Attends, d'ailleurs, on va vendre toutes les autres, d'ailleurs, maintenant, parce que... Ah oui, merde, je peux pas vendre des armures déjà équipées. Ça va faire un peu de place parce que c'est le bordel, même si je suis pas en train de m'emmerder avec la place, parce que maintenant il n'y a plus d'armure à équiper. Voilà, ça ira. Et maintenant, avec ces armures, autant vous dire que je suis tranquille. Hein. Vous avez vu ces stats complètement abusées. Voilà, je suis peinard. Attends, il y a un truc qui me fait douter là par contre. Là j'ai la laser, on est ok. Où est-ce que je récupère la dernière lance déjà? Je sais plus, c'est bizarre. Ah ici, tout bêtement. Voilà. Je me demandais où est-ce que je l'avais cherché, mais en fait c'était juste un lancer de bourriche. Même bien méchant. Donc voilà, là j'ai la navette, et bah écoutez, on va tout de suite aller tenter ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que c'est à partir de maintenant qu'on va débloquer le PNJ. Et j'espère que c'est ça, parce que j'en ai ras le bol.
Navette qui a un peu plus de la gueule. Celle-ci, je veux bien croire qu'elle veut le comparer au vieux coucou qu'on avait. Alors, surtout, il faut pas que j'oublie d'aller changer ma monnaie. En plus, non, je suis con, j'en ai même plus assez. Ah, si, c'est bon. Il m'en faut 10 000. Non, bah écoutez, je comprends définitivement pas comment on débloque ce PNJ. Ça m'énerve. Des fois, je le vois apparaître, des fois, non. Je sais absolument pas comment il faut faire pour le débloquer. Alors, je vais regarder 30 secondes, hein, vous m'excuserez. Mais là, c'est bizarre, hein, je comprends pas. D'habitude, il te dit, venez voir à droite, enfin à gauche, quand tu vas sur la droite. Et je sais pas, c'est bizarre. Bah tiens, je vais profiter pour regarder aussi au passage j'en suis avec les charmes. J'ai la liste sous les yeux. Alors, la dent de jaguar, ça je l'ai. La baguette curative, je l'ai. Le disque de jade, je l'ai. La pierre solaire, je l'ai. Le lustrant, je l'ai aussi. Le fourreau, je ne l'ai plus, mais je l'ai aussi. Bon, ça c'est un truc que j'ai merdé, mais c'est pas grave. Cœur de rubis, je l'ai. Œuf chocobo, bon ben je l'ai plus mais je l'ai eu. La cape magique, je l'ai. Os divin, je l'ai. Le répulsif, ben j'ai le curseur dessus, c'est bon. La pièce du sorcier, ça je sais que je l'ai. Le sceptre de vie, c'est parfait. Aubergine magique. Ok, bah écoutez, non, bah il me reste plus qu'à récupérer la source d'énergie et on est bon. Voilà, c'est pas plus mal d'avoir ça sous les yeux. Ah bah tiens, il y a un truc. Ah bah tiens, là j'ai bien fait d'aller sur ce site parce que du coup j'ai quelques informations sur les ingrédients. Alors. Non. Alors, fer, glace, gland, non, de la graisse, oui, ça c'est. Alors, attendez, j'en profite pour garder un truc. Le soufre. Lance. Ah, bah, Lancelot, il en vend du soufre. Et bah, voilà, c'est parfait. J'avais qu'il y avait. Ça pouvait être répertorié. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille déjà, merde, là, sous l'échiquier. Eh ben écoutez, c'est formidable. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Ça va pas être une mince affaire, mais. Alors attendons, on va regarder un tout petit truc, si vous voulez bien. En fait, d'après ce que j'ai compris pour le glitch, là j'ai un truc sous. Merde, j'ai oublié, un truc sous les yeux. On va voir si ça marche. Donc je vais perdre un tout petit peu de temps à l'échiquier. Alors cette magie, elle est ultra puissante. Pour l'avoir débloquée une fois pour rigoler vite fait via les codes Action Replay, c'est la magie la plus forte du jeu. Manque de bol, à notre niveau, elle ne sert plus à rien. Parce que le chien fait énormément de dégâts, le bazooka aussi. Mais pour vous donner un exemple, quand j'avais fait le jeu avec des codes Action Replay et les ingrédients infinis, parce que voilà, comme dit des fois, j'aime bien me taper du petit délire. Il faut savoir que cette magie, je l'avais foutue niveau 8, donc à fond. Dévastateur. C'est pas compliqué, je l'avais lancé 8 fois sur le cœur de l'araignée bleue, là, sur lequel on débloque la roue. Bah écoutez, pour vous la faire simple, je l'ai frappé à 9999. Soit on peut pas faire plus de dégâts.
Voilà, donc là on est d'accord. Attends. Ah oui, ah non, ok, j'ai compris. On va. Il faut lui sélectionner une cartouche. Donc voilà, maintenant on va essayer de voir un truc. Parce qu'en fait, par la suite, je vais devoir pas mal pex ici. C'est le bon endroit parce qu'en fait, voilà, les mobs, on les pulvérise relativement bien. Et je vais en profiter pour voir si le glitch du coup va fonctionner. C'est pour moi plus tard. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'en ai pas pour longtemps. Faut juste qu'il gaspille ses cartouches. Voilà, bah ça c'est donc parfait. Donc lui il nous apprend deux magies et on peut acheter des ingrédients. Hein, attends quoi? Ah oui, non, j'ai rien dit. La graisse, on pourra l'acheter ici, parfait. Et du fer aussi, bah écoute, c'est nickel, il y a tout ce qu'il faut. Donc, sachant que des Ducats, je vais en farmer énormément, hein, dû au fait que je vais tourner en rond dans cette zone pendant un temps, j'aime autant vous le dire, et avec le Fast Ward, hein, je risque de passer plusieurs heures ici. Hein, mais ça, je vous le ferai pas parce que, comme dit, manque de bol, bah, il faut que je pexe et puis. Après, encore, ça va assez vite, mais c'est pour ça que je veux que le glitch du bazooka marche bien, parce que sinon, ben, ça me fait chier, en fait, voilà. Par contre, c'est pas agréable pour les oreilles. Quand je ferai ça, je me couperai le son, je vais me mettre un super film à côté. Ou une série, j'en sais rien, peu importe. Moi, je gaspille plus de balles d'ailleurs là. Bah, vous voyez, je gaspille plus de balles. J'ai les balles, les cartouches. En fait, je crois que quand c'est le. Je crois qu'en fait, il faut que le personnage soit contrôlé par l'IA, tout simplement. Je veux dire, regardez, j'arrête pas. J'avais 99 balles vertes, 70 bleues et 24 rouges. Bon, bah, ma foi, c'est cool, hein, écoutez. Moi, je vais pas me plaindre. Hein. Ça s'est pas passé comme je voulais, le glitch, mais il s'est lancé. Alors, tant mieux. En plus, avec les balles les plus puissantes. Alors, moi, j'aime autant vous dire. En fait, j'ai l'impression qu'il faut juste que le bonhomme soit contrôlé par l'IA. C'est tout bête. Alors, par contre, il y a un truc qui m'embête un petit peu, d'ailleurs, en parlant de ça. Il faut que j'ouvre ma plage de Retro Achieve. Est-ce que j'ai eu le succès pour tous les charmes? Acquérir toutes les armes, mais je laisse. Hein. Pourquoi je l'ai pas débloqué? Oui, j'ai les 4 armes, plus le bazooka. Qui me rassure pas là. Ouais, alors là il y a des trucs là, j'avoue que. Il y a des trucs que j'ai pas réussi à débloquer. Alors là, j'avoue que là, ça me fait un petit peu chier. Parce que toutes les armes, je les ai bien débloquées. Bon, attendez, on va pas s'emmerder. Alors, défaire le boss de fin, ça c'est bon. Bon, celui-là, il est foiré. Celui-là aussi, ça, je suis d'accord. Acquérir toutes les armes. Je ne l'ai pas eu. Acquérir toutes les formules de la chimie, ça je sais, il m'en manque une. Acquérir tous les charmes, mais c'est pareil, je les ai tous. Attends, j'en ai 12, c'est pas compliqué. Alors, on va les compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Sachant que les deux autres, je les ai eus. L'œuf de Chocobo. Ou alors, faut peut-être bien les avoir tous en même temps.
Là, il y a quelque chose vraiment qui m'échappe. Hein. Alors là, on va aussi avoir une magie, les gars. La magie de buff, enfin qui buff en gros, la plus puissante du jeu. Bah, je sais pas ce qui a merdé. J'avoue que là, je suis un petit peu emmerdé pour le coup. Attends, mais non, dans la version US, manifestement, j'ai pas besoin de réouvrir les portes. Bon, ma foi, tant mieux. Bon, alors, ok, celui des charmes, admettons, parce qu'il faut peut-être tous en même temps, mais bon, il y a un truc que j'ai oublié, et là, c'est de ma faute. Et de toute façon, il faudra que je refasse une autre partie, donc c'est pas très grave. Par contre, le truc qui m'emmerde vraiment le plus, là, c'est le succès que toutes les armes ne se soient pas débloquées. Alors, est-ce qu'il va se débloquer plus tard? Ça, j'en sais rien. Bon, au moins, celui-là, s'il se débloque, ce sera déjà ça, parce que là, il me manque une magie à récupérer ici. Bon, il vient l'autre ou pas là? Mais qu'est-ce que tu fous toi? Oh putain, espèce de gland là. Oh là là, je vous assure. Bon, ok, toutes les magies, ça c'est admis. Ça voilà, au moins on a celui-là. Bon, la prochaine fois pour les charmes, ça me fait un petit peu chier, mais il va falloir trouver la solution. Parce que je sais comment les trouver, ça c'est pas le problème, mais comment tous les avoir. Par contre, ce qui m'emmerde le plus, moi comme dit, c'est que le... Ce putain de PNJ n'est pas voulu pop. Donc là, on va prendre une nouvelle sauvegarde. Ok. Et surtout, pourquoi toutes les armes n'ont pas été débloquées? Bon, bah écoutez, on va finir le jeu, puis j'essaie de régler ça de mon côté, parce que là, c'est la merde, hein. Bon, maintenant, rappelez-vous, je vous avais parlé d'une magie complètement pétée, celle-ci, la tonique, en français. Vous allez comprendre pourquoi elle est tellement pétée, cette magie. Donc là, vous avez vu ma charge, comme elle se remplit, ça va, elle se remplit assez vite. C'est abusé, ça. C'est dommage qu'on l'ait pas plus tôt d'ailleurs. Ce serait un peu abusé par contre. Donc ici, faut comprendre un truc, les combats sont très particuliers en fait. Oui, c'est le même dinosaure qui m'a fait galérer tout à l'heure, mais maintenant je suis plus... Oh la vache, ils font encore mal quand même. Je me souvenais pas qu'il puisse faire aussi mal. Alors là, par contre, un petit conseil, ne tuez surtout pas les aspirateurs ici. Il ne faut surtout pas les tuer. Parce que sinon, au prochain passage, en fait, ils sont juste là pour nettoyer, hein, donc ils font rien de mal. Mais si on les tue, il y a des mobs supplémentaires qui vont pop, et eux, ils peuvent me one-shot. Donc autant vous dire que j'ai pas trop envie de ça. Je pourrais y arriver beaucoup plus facilement que ça. J'utilise la magie qui me rend invincible et c'est marre. Hein. Je vais pas l'utiliser tout de suite. Ah, quoique. Qu'est-ce que je m'emmerde, c'est fait pour ça et d'échapper, j'en ai à tirer la rigueur. Mais. Là, je crois que faire chier, le chien il va tout faire comme un gentil toutou. La première fois que je suis arrivé ici, j'avais beaucoup plus galéré que ça. Je vous le donne en mille, c'est chaud.
la petite particularité, rien bien méchant, on a un double qui pop. Par contre, le double du chien est beaucoup plus dangereux. Parce que déjà, il a pas mal d'HP, environ 10 000. Voilà, là on est bon. Il est long le combat, mine de rien. Là j'utilise le fast sword, mais il est costaud. Hein. Oula putain, faut que j'aille me loin avec le fast sword quand même. Oui, alors celui-là, c'est abusé aussi le nombre de PV qu'il a. Et là maintenant, le dernier boss, James. Qui peut être très problématique quand on sait pas comment le prendre. En fait, il y a un truc tout con à faire. On se met ici. Et il n'y a plus qu'à faire. Ici, on est safe, il peut pas nous toucher. Et puis c'est marre, je lui tire dessus, je sais ce que mort s'ensuit. Ouais, c'est un peu de la triche, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas moi qui ai programmé le jeu. Et donc, quand je vous disais dans la partie numéro 2, vous savez, là, avec le jumeau maléfique de Alec, et à un moment, il y a un PNJ qui sort sa tête du mur pour parler. Et bien, en fait, c'est James. C'est pour ça que je vous avais dit, retenez, les deux sont importants. Donc voilà, on a. Quand on regroupe toutes les informations, maintenant on comprend le sabotage, parce que bien évidemment, c'est lui évidemment qui a créé les jumeaux maléfiques, qui sont des robots. Et c'est là que ça devient cohérent, parce que nous, ce qu'on apprend. Quand on fait le. Quand il y a la reine de Ivory qui saute et qui fait péter le château, il ramasse un boulon, le héros, donc on sait que c'est un robot. Et du coup, maintenant, ça coïncide vraiment à tout ce qui s'est passé. Tous les événements catastrophiques qui sont arrivés, les jumeaux maléfiques, le bordel, l'expérience ratée, c'est l'auteur de James que vous voyez ici. Donc voilà, maintenant, avec lui, on en a terminé. Il nous fera plus chier. Et ben maintenant, nous allons pouvoir rentrer chez nous. Le problème, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à réparer. Mais là, on va faire ça d'une manière un petit peu sympathique. C'est-à-dire qu'il y a encore des monstres et tout le bordel. Le monde de Perpetua, ou d'Evermore, hein, c'est selon la version, n'est pas encore tout à fait en paix. Mais vous inquiétez pas, on va recevoir un sacré boost. Parce qu'il faut rappeler une chose. Ce monde... à la base, dans lequel on est actuellement, n'est qu'un programme. En fait, ça c'est une des parties que j'ai pas compris. Ce monde réel, est-ce que c'est un programme, parce que c'est issu d'une expérience, il est issu du rêve des gens, mais est-ce que c'est vraiment un programme? Ou est-ce que c'est un monde qui existe? Parce que quand on voit comment on peut manipuler le monde dans lequel on est, je me dis que c'est un mystère. Donc là, vous voyez, on fait tout péter comme ça, c'est con qu'il met pas de... donner ce pouvoir avant, ça aurait été plus sympa. Le problème, c'est que maintenant, tout rentre dans l'ordre. Mais il va y avoir des conséquences à toutes nos actions, à savoir que nous sommes des étrangers de ce monde. Même si il a été créé par les différents membres de l'expérience, ben, on n'a plus rien à y foutre. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que tout ce qui est considéré comme étant impropre pour le monde doit disparaître. Le problème, c'est que nous, membres de l'expérience, ainsi que le héros et le chien, en faisons partie des choses, on va dire, qui ne devraient pas être dans ce Perpetua. Et du coup, il va falloir qu'on se tire. Voilà, j'accélère un peu. Et du coup, voilà, il faut qu'on aille absolument chercher tous les membres de l'expérience, parce que sinon, tout va péter. Évidemment, là, il va y avoir des adieux bouleversants. Là, vous voyez, le monde est à deux doigts de péter. Si on ne fout pas le camp, tout va péter. Et les membres avec, hein, les habitants avec. Et du coup, là, il y a différentes personnes qui vont reprendre en main les différents mondes dans lesquels on a visité. Par exemple, pour le premier de la préhistoire, Cœur Vaillant, celui qu'on a libéré du monstre dans la première partie, et ben c'est lui qui va diriger le monde de la préhistoire. Ça semble assez cohérent. Là, on va chercher Alec. Oui, ils sont en train de reconstruire la statue du chien. Je sais pas pourquoi, mais c'est un symbole.
Et là, Alec, pareil, on vient le récupérer parce que lui, il fait partie de l'expérience, il ne doit pas rester ici. Et puis là, bah, évidemment, c'est son collaborateur qui va reprendre en main le monde de l'Antiquité. Jusque là, tout va bien, c'est normal. Par contre, ici, ça devient plus emmerdant. Camélia, elle s'appelle en VO. Et là, la chose la plus drôle. On se dirait que le plus apte à diriger le royaume, ce serait Pensatou, qui nous a beaucoup aidé, qui est très intelligent. Et ben non, en fait, c'est le pauvre petit roi, enfin l'imitation de roi, parce qu'en fait, c'est même pas un vrai roi. C'est un plombier qui se prend pour le roi. Et lui dit, bah tiens, je te donne le château. Alors après. Voilà. Et donc là, vous l'aurez compris, il faut qu'on se casse. Là, c'est vraiment pire en pire. Là, le monde est à deux doigts de l'explosion. Sachant que ça fait un moment qu'ils se sont pas vus, soit près de 30 ans. Ils ont même pas le temps de dire « Salut, ça va ? On n'a pas le temps de prendre un café. » Non, non, on se casse. Là, je viens de débloquer un succès. J'ai pas le temps de le lire. Voilà, cassez-vous. Et là, forcément, il va y avoir un petit problème. Hein. C'est normal. Et puis le chien. Parce que là, il y a un chat qui est passé. Du coup, le chien, forcément, ça l'énerve. Et la machine était à deux doigts d'exploser. Ça y est, nous sommes enfin rentrés chez soi. Et on n'a plus rien, évidemment, les formules magiques, les armes, on a tout laissé sur place, hein, vous en doutez. Et là, regardez, le nom du cinéma. Alors oui, il y a marqué bijoux, mais c'est un cinéma. Et en fait, on a un petit peu modifié notre monde. Donc nous on est rentrés 30, enfin eux ils sont rentrés 30 ans après. J'aime autant vous dire les gars, vous avez intérêt à faire gaffe parce que le monde a eu quelques changements. Ouais, cette musique est magnifique. Je le répéterai jamais assez, mais Jérémy Soule est un putain d'artiste au niveau des musiques et de l'ambiance musicale. Et là, en gros, bah maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe là où on est parti. Et là, franchement, la séquence de fin est quand même longue. Je veux dire, c'est quand même classe, en fait, quand on y regarde. Hein, c'est super bien foutu. C'est pour ça que ce jeu fait partie de mon jeu préféré sur Super NES. Parce que l'aventure est prenante, l'histoire pareil, le système de combat, tout pour moi est positif dans ce monde. Même si tout à l'heure j'ai un peu clashé le dernier monde de métro du futur, finalement ça va maintenant avec du recul, mais je me rends compte que bon, ok c'est celui que j'aime le moins, mais je peux pas dire que je le déteste. C'est juste qu'il est un peu trop linéaire et il se torche un peu trop rapidement. En fait voilà, la dernière partie du jeu, ouais, Jérémy Soule, voilà, merci, donc c'était bien ça. Donc voilà, maintenant, au passage, vous avez remarqué que tout à l'heure, il voulait reconstruire la statue et Merlin a dû la faire détruire. Hein. Tout est génial dans ce jeu, comme j'ai dit. Les mobs, ils sont variés, les combats, on peut faire ce qu'on veut et tout. On peut se battre à la magie, au corps à corps. Notre compagnon, il est super intelligent. Les mobs, ils sont plus durs, ils sont plus costauds. Et puis, franchement, il y a tellement de bons points. Je dis, moi, je lui mets main sur 20. Je veux dire, si je pouvais mettre 21, je le ferais. Donc voilà, maintenant les deux frères qui se retrouvent, l'autre il voulait voler comme les dragons, il y avait. Bah c'est pas grave, on se démerde avec l'avion. Ça marche aussi. Non mais voilà, franchement, ça m'a fait énormément plaisir de le retrouver ce jeu. Et voilà, là on retrouve tous les jumeaux maléfiques. Mais ils peuvent plus rien faire. Vous voyez, alors franchement, pour tous ceux qui connaissent le jeu, bon, je pense que il n'y a pas besoin de trop s'attarder là-dessus. Vous savez pourquoi le jeu est génial. Et si vous, messieurs, vous ne le connaissez pas, vous téléchargez un émulateur et le jeu, qui je rappelle, sont sur Super NES, et faites-le. Je vous assure, il y a
ça va vous plaire. Ok, les graphismes, c'est peut-être un peu vieux ou autre. Et un jour, j'espère de tout cœur qu'ils vont faire comme Secret of Mana, ils vont sortir une version Android. Même si elle n'est pas remix, tout ce que... je m'en fous. Même si c'est la version d'origine, j'espère qu'un jour, ils sortiront une version Android. Donc là, j'avance parce qu'il y a une petite séquence cachée après ça. Mais il faut laisser diffuser pendant un petit moment. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est juste avant que l'expérience soit faite. Et du coup, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé. Parce que lui, il s'est méfié de rien. Ça, c'est au début, avant le commencement de l'expérience, hein, vous l'aurez compris. Et là, voilà, avec ce petit sourire machiavélique. Et voilà, la fin, avec un point d'interrogation. Alors maintenant, moi, j'entends plus rien. Mais à l'époque, si j'avais été jusque-là, parce que cette séquence, je l'avais jamais vue avant l'émulation, The End avec un point d'interrogation, ça aurait pu, il aurait pu avoir une suite. Et je me demande d'ailleurs s'ils n'avaient pas prévu d'en faire une suite, parce que le jeu, déjà, il faut savoir que ça a été un immense succès, de toute façon. Et peut-être qu'une suite à la base était prévue. Pourquoi pas? Le problème, c'est que ce jeu est apparu limite en fin de vie de la Super NES. Et qu'entre deux, Square, ils sont passés chez Sony. Ça, c'est aussi la petite histoire. Squaresoft, donc parce que ça a été développé par Squaresoft, hein, et ben, ils sont passés chez Sony. Parce que les limitations de la Nintendo 64 à cause du support cartouche fait qu'ils n'ont pas voulu développer les Final Fantasy sur la 64, ce qui à la base était prévu. Mais surtout, ils ont eu un partenariat avec Sony. Et du coup, je pense que éventuellement, s'il y aurait dû avoir une suite, elle est tout simplement passée dans l'oubli, et c'est regrettable. Parce que ça, c'est une licence qui mériterait de revenir sur le devant de la scène. Des fois, il faut pas... ça sert à rien d'essayer de créer de nouveaux jeux ou autres. Des fois, il suffit juste de garder les bonnes bases qu'on avait et d'inventer une nouvelle histoire, et ça marchait très très bien. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que les Let's Play sur Secret of Evermore vous ont plu, que ça vous a fait plaisir de voir tout ça. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire tout ça, en tout cas avec vous. Hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, de toute façon, il va falloir que je refasse une partie parce qu'il me manque des succès. Ça me fait chier, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Et moi, je sais pas encore quel jeu je vais faire, comme dit, mais je pense que ce sera soit Yoshi Island, soit Secret of Mana. J'hésite. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve à très bientôt pour le prochain Let's Play. Allez, ciao les gars!